Ah, j'adore ça, ça fait trop plaisir aussi. Ouais. C'est vrai, je m'en rends pas compte de tout ça, merci. Ce que tu fais, tu joues avec tout ce qui est autour de toi, avec nous, c'est super, merci. Et avec toi. Une berceuse. Ah ouais. Do bébé, do bébé. Mais qui connaît pas la chanson, sauf pour son gosse. Do bébé. Et une berceuse pour les enfants, c'est quoi? Pour vous. Une perceuse. Oui, il va dormir. Il dormira ce soir. C'est le frère du notaire, je sais pas si vous vous rappelez au début.
qui habite en banlieue lyonnaise avec sa femme, et sa femme est dans la chambre en train de regarder le tiercé à la télé, et elle mange des cacahuètes, et lui il est pas du tout en train de regarder le tiercé, il mange pas du tout des cacahuètes, mais il rentre à un moment donné dans la chambre de sa femme et il lui parle. C'est un spectacle sur la communication. Chérie, je sors, je vais courir un peu, je passerai peut-être au Monoprix. Dehors le ciel est si bleu et les trèfles sont jolis. Là, il sort de chez lui, il descend les escaliers 4 à 4, il... attendez. C'est un petit peu compliqué. Pourquoi il fait du sport, tout ça, hein, donc il, en plus, il a vraiment autre chose à faire dans sa tête. Vous avez vu sa femme, ce qu'elle est en train de faire. Et là, au-dessus de lui, un gros nuage sombre apparaît. Et qui lui dit, qui le voit courir, qui lui dit, mais Erickson, c'est bien, tu progresses. C'est dingue! Et lui, ça va tout d'un coup, essoufflé. Mais qui me parle? Mais pourquoi? Et pourquoi il m'appelle par mon prénom? Et je m'appelle pas Metallicson d'abord. Et il se souvient que dans la télé de sa femme, il y avait un cheval, dans le tiercé, au tiercé, dans le tiercé, dans le jeu du tiercé, qui s'appelait Metallicson. Il dit, mais je suis pas un cheval, mais il est vraiment très fatigué. Il plonge dans la rivière, il plonge dans la fontaine pour s'abreuver. Une fontaine magique qui était juste là parce que toutes les fontaines sont magiques et tous les lutins se mettent autour de lui et les lutins boivent grâce à lui par procuration, et c'est pour ça que souvent on est obligé de mettre eau non potable sur les fontaines parce que sinon tout le monde irait tout le temps boire poussé par les lutins comme ça. Alors, et là donc il boit, il grossit pas d'un coup, il sait, ça l'éveille hein, parce que l'eau a cette vertu aussi, il s'éveille, il se dit il faut que j'aille parler à ma femme tout de suite. Et là pendant ce temps cet esprit sombre, ce gros nuage s'est affaissé, il s'est endormi, parce que souvent les êtres sombres ils s'endorment, qu'ils travaillent moins du coup et qu'ils sont méchants parce qu'ils font travailler les autres. Et là il traverse le nuage sombre, il passe en courant chez le nuage sombre, il s'était cristallisé si vous voulez, et du coup il le pète en mille morceaux et ça fait plein de petits nuages sombres qui font putain Alexandre, reviens, tu nous appartiens. Et lui il monte les escaliers 4 à 4, il monte les marches 4 à 4, il arrive dans la chambre de sa femme et il lui parle. Chérie, j'ai entendu la voix d'un dieu, je crois qu'on s'est fait gruger. Le PMU, il est dans tes yeux, pas du tout dans la télé. Le PMU, il est dans les cieux, chérie. S'embrasse, elle le décoiffe, elle le recoiffe, ils font l'amour et ils vont vivre dans la forêt avec son frère et ses amis. Merci.
qui va vous trouver et que vous avez vu. Qui vive longtemps, qui vive longtemps. Patrimoine, patrimoine.